Inflation, chômage, disette, mise en mouvement, émeute, ça revient toujours. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le manifeste des égaux qui va conduire effectivement Babeuf à la guillotine. Mais parce que Babeuf a cette intelligence de s'incarner dans le mouvement réel, il sait pas qu'un jour un type Karl Marx va tout reprendre pour l'accomplir compte tenu des luttes de classe radicales dans une forme encore plus élaborée. Mais il a compris que c'était pas un débat subjectif de Monsieur Babeuf avec Monsieur Robespierre, avec les termes de rien, que c'était une problématique de lutte de classe radicale, qu'elle était impersonnelle, qu'elle était anonyme, que c'était une force d'histoire contre une force d'histoire. Et là, il a effectivement compris que la révolution capitaliste de 1789, c'était l'imposture supérieure de la marchandise en mouvement qui allait écraser les campagnes, qui allait écraser les villes pour construire le grand esclavage démocratique de la marchandise totalitaire. Et c'est là où il fait le point. Alors, je ne sais pas si on va parler un peu de la Vendée, mais si on fait le point entre la sans-culotterie parisienne et la Vendée insurrectionnelle. Mais si vous voulez, Babeuf est un homme d'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut pour être un homme d'intelligence? Bah, réponse, faut pas être idiot. Et qu'est-ce qui fait qu'on est idiot? C'est qu'on est un abruti hémiplégique. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que, alors, vous avez des droitistes bornés et incultes qui vous disent, ah, Babeuf, 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 la Vendée. Et de l'autre côté, vous avez des abrutis et hémiplégiques de gauche post-bolchévique qui essayent de réapproprier la partie babouviste sans culotte. Mais tout le monde est coupé. C'est-à-dire que si je suis lénino-stalinien abruti, je vous parle du manifeste de Sylvain Maréchal. Et je vous dis, ah, Babeuf, c'est bien, c'est l'ancêtre du communisme. Si je suis droitiste débile, je vous parle du populicide vendéen. Mais je ne vous parle jamais du manifeste des égaux. Ces deux segmentations schizophréniques, paranoïdes, hémiplégiques expriment toute la bêtise aliénatoire du fétichisme de la marchandise dans le temps contemporain. Le manifeste des égaux renvoie à la critique du populicide et la critique du populicide renvoie au manifeste des égaux. J'ai pas deux Babeufs qui par hasard se rencontrent. J'ai un Babeuf homogène, radical, total, qui dit la vérité d'une sensation absolue dans la complétude de toutes ses visions. Babeuf est un homme de radicalité. Donc, comme il est un homme de radicalité, il dénonce l'imposture capitaliste de la révolution robespierriste et il comprend que Thermidor, qui tue le spectacle robespierriste, finalement l'accomplit. Robespierre a tué la sans-culotterie parisienne. Quand vous prenez le registre des gens décapités à Paris, on vous dit, nous guillotinons les aristocrates. Qu'est-ce qu'un aristocrate? Un aristocrate, c'est quelqu'un qui, au regard du comité de salut public, n'est pas dans la norme. Donc on vous guillotine parce que vous êtes aristocrate. Si maintenant je vais aux archives et que je lis la liste des aristocrates guillotinés et que je vois leur profession. Alors, mes aristocrates guillotinés sous Robespierre, c'est Dupont qui est ouvrier relieur, c'est Durand qui est ouvrier menuisier. Donc, tous ces aristocrates qu'on a guillotinés, ce sont des prolos combattants. Alors, bien sûr, de temps en temps, j'ai un duc, une duchesse ou un marquis, mais ma masse de guillotinés sous la dictature robespierriste, ce sont des prolétaires qui appartiennent à des sections de sans-culotterie radicale qui dénoncent la mainmise de la bourgeoisie montagnarde sur tous les commerces et sur toutes les prérogatives de nomenclatura des comités de salut public. Comité de salut public, comité de sauvegarde générale, c'est des centaines de postes rémunérés. Le sans-culotte de base, il a rien. Mais mon bureaucrate avec son beau chapeau à plumeau, qui fait la leçon de dignité révolutionnaire, il a un salaire. Il a des plats, il a des vêtements, il a des locations, il a des habitats. Le sans-culotte de base, il a rien. Il y a donc une lutte de classe radicale à l'époque robespierriste entre la sans-culotterie radicale et la nomenclatura robespierriste. Donc, quand Thermidor arrive parce que Robespierre a fait son boulot. Puisque Robespierre a définitivement écrasé le mouvement sans-culotte, on n'a plus besoin d'une bourgeoisie qui fait semblant d'être radicale. Donc Robespierre à la poubelle et Thermidor prend le pouvoir.
Il comprend Babeuf et il comprend que tout ceci indique un mouvement réel, historique. Ça ne se passe pas dans la tête. Le problème, ce n'est pas de savoir si Danton est responsable, si Robespierre est responsable, si les Girondins sont responsables. Il faut comprendre que les Girondins expriment la fonction sociale de la bourgeoisie portuaire. Les Montagnards expriment la position de la bourgeoisie bureaucratique des comités. Chacun exprime une position sociale avant d'exprimer la position de ses propres névroses personnelles, même si elles existent. Mes névroses personnelles rentrent dans le champ social de mes conditionnements et de mes intérêts de classe. Il comprend tout ça. Et il comprend, compte tenu de ce qu'il a vécu en tant que commissaire terrier sur les luttes paysannes, et compte tenu de ce qu'il a vécu, parce qu'il a lui-même participé à l'insurrection de Prairial et à l'insurrection de Germinal. Il a participé à la pratique de l'insurrection sans culottière. Il a vu le lien qu'il fallait faire entre la paysannerie combattante des siècles derniers et cette émergence plébienne des temps qui commençaient à naître. Et donc, il a cette liaison radicale. Il comprend que tout est lié au mode de production. Alors, bien évidemment, on n'en est pas à l'affinage que Marx, dans sa critique radicale, dans l'affinage que Rosa Luxembourg, dans sa critique radicale, positionnera. Mais il a cette intuition subversive, parce qu'il rend compte de ce mouvement réel des feux réfractaires. Et donc, il fait la liaison entre paysannerie qui défend ses communaux et sans-culotterie qui défend sa position contre le despotisme de classe de la bourgeoisie. Et à partir de là, se fait la liaison. Et ce qui est très intéressant quand vous lirez le. Quand les auditeurs liront le manifeste des égaux ou le manifeste des plébiens, c'est que on voit, alors c'est normal, on est dans une phase où les contradictions sociales n'ont pas toute la maturité qu'elles auront en 1848, quand Marx écrira Les luttes de classe en France, ou quand il écrira en 1871 La guerre civile. Mais on voit cette puissance qui vient probablement de sa première expérience quand il était chez les feudistes et qu'il analysait la réalité concrète d'une terre en voyant toute la problématique des successions aliénatoires qui avaient accaparé la terre. C'est un homme de terre, c'est un homme qui va au fond des choses et la terre vit à travers lui, la sans-culotterie vit à travers lui, la paysannerie vit à travers lui. Quand il écrit, c'est quelque chose qui passe en lui dans sa chair, dans ses tripes. Et il fait le lien entre ces deux mouvements-là. Et à partir de là, comme il fait le lien, il produit une analyse objective radicale, radicale au sens où elle va aux racines. Ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que quand, par exemple, la République va vouloir coincer Charette et qu'elle va produire le fameux traité de la Jaunaie, où Charette va accepter une capitulation certes honorable, mais une capitulation. Charette ne comprend rien à la destruction des populations de l'Ouest. Quand plus tard, Madame de La Roche-Jacquelin, c'est d'ailleurs pas elle qui l'a écrit, puisqu'à l'époque les mémorialistes avaient toujours des nègres, parle de la virée de Galerne, parle des colonnes infernales. La pensée de droite classique, telle qu'elle s'est codifiée au cours du XIXe siècle, à travers la mémorisation de la chouannerie et de la Vendée, elle n'a rien compris. Elle a bien compris que la méchante République avait tué les royalistes. Mais la structure industrielle du populicide de masse, comme structure objective d'extermination des surnuméraires, des excédentaires, la pensée de droite n'a rien compris. Et maintenant, si je bascule à gauche, tous les croque-morts qui ont été essayés d'utiliser Babeuf pour essayer d'en faire un para-bolchévique, alors qu'il est radicalement sur la ligne de Marx, anti-salariat, anti-État, anti-capitalisme d'État soviétique. Ils ont pris effectivement le plus grand soin à cacher les textes sur la Vendée. Donc aujourd'hui, vous avez des historiens de droite qui vous parlent du populicide, mais qui ne parlent surtout pas du manifeste des égaux, et vous avez des clowns universitaires de gauche qui parlent du manifeste des égaux pour le rendre inoffensif, mais qui ne parlent surtout pas du populicide. Babeuf, il n'est pas l'un ou l'autre, il est l'un ou l'autre dans une radicalité subversive intransigeante, dans une compréhension révolutionnaire subversive totale, il est l'un parce qu'il est l'autre, et il est l'autre parce qu'il est l'un. Donc, le populicide vendéen dénoncé par Babeuf, le manifeste des égaux tel qu'il est posé par Babeuf, c'est la lutte de classe communiste contre tous les États, contre toutes les politiques, contre toutes les économies,
Et c'est la compréhension, déjà à l'avance, de ce que le lénino-trotskisme fera en Ukraine et en Russie quand il y aura la grande famine et qu'on exterminera les populations excédentaires. Ce qu'il a compris sur la Vendée, c'est que ce n'est pas simplement Carrier, pauvre petit plouc administratif, qui, dans sa folie, organise les noyades et zigouille quelques types qui le dérangent. C'est une dynamique capitaliste intransigeante d'élimination des populations excédentaires, et on retrouvera la même chose en Russie bolchevique. Le capitalisme d'État en mouvement élimine les populations excédentaires d'une manière industrielle. Mais attention, l'ancien régime les éliminait d'une manière artisanale. Les croquants, les nu-pieds, toutes les insurrections paysannes que Babeuf a découvert quand il a creusé la problématique des luttes paysannes d'ancien régime. Il a vu, par exemple, que sous la Fronde, Louis XIII et Richelieu ont exterminé des milliers de paysans en insurrection contre le fisc, l'État, la noblesse et le clergé. Qu'est-ce qu'a fait la République en 1793 en Vendée? Elle n'a fait que généraliser de manière industrielle et surorganiser ce que l'ancien régime avait fait avant. Quand Richelieu et Louis XIII éliminent les insurrections paysannes en Gascogne et massacrent des milliers de paysans en insurrection, c'est encore du bricolage artisanal. Quand j'ai effectivement Carrier et le comité de salut public qui, avec les colonnes infernales, exterminent de manière délibérée des masses entières de paysans avec leurs familles, c'est ce que faisait Richelieu et c'est ce que faisait Louis XIII dans une dimension industrielle supérieure, parce que le développement de la modernité capitaliste a donné les moyens, les causes, les justifications et les projections nécessaires pour le faire. Donc, Babeuf dit à bas la gauche, à bas la droite, à bas l'extrême droite, à bas l'extrême gauche, vive le mouvement réel du prolétariat pour que plus jamais la terre ne soit appropriée par aucune structure d'oppression. Na 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 na